Maintenant, je vous propose un photoreportage très touchant à consulter sur radiocanada.ca. C'est signé par nos collègues Angie Landry et Dennis Young. Ils nous présentent des bénévoles de l'unité de néonatologie de l'hôpital Sainte-Justine qui offrent leurs bras comme ça à quelques 1500 bébés prématurés par année. Ils vont là-bas pour les bercer. Parmi ces bénévoles, il y a cet homme, Joseph Kerba, 77 ans. Lui, ça fait 6 ans qu'il berce des enfants là-bas. C'est une façon pour lui, et c'est ce qui est intéressant parce qu'on apprend en fait l'histoire de ces bénévoles. C'est une façon pour lui de faire la paix un peu avec un passé douloureux. Il y a presque 40 ans, lui et sa femme ont appris en fait que leur 5e enfant à naître était destiné à mourir. Alors voilà, mais il se reprend d'une certaine façon avec ce temps qu'il passe avec ses bébés prématurés dans ses bras. L'autre bénévole qu'on nous présente, c'est Louise Lafont, 65 ans. Elle est bénévole depuis sa retraite et ses yeux brillent chaque fois qu'un parent lui permet donc d'aller, qui accepte en fait, d'aller endormir le bébé. Écoutez, à 65 ans, elle n'a jamais eu le bonheur de porter un enfant. Après le décès de son mari, bien, le bénévolat semblait une évidence pour elle. Mm. Et elle raconte, c'est ce qui est, ça crève le cœur, certains de ces moments qui vont la chercher droit au cœur, comme le soir où, à la demande d'une infirmière, elle a accueilli une petite fille dans ses bras, comme ça, pour l'endormir. La petite a sorti sa main de la couverture, elle lui a tendu son doigt. Sa main est tombée quelques secondes après. La petite venait tout juste de rendre son dernier souffle. Alors, c'est très touchant. Ça fait réfléchir. C'est bon pour l'âme. Je vous invite à aller lire ça sur notre site Internet. Allez consulter ça, bien sûr. C'est sur radiocanada.ca.